Salut à toutes et à tous, c'est Natcrafter et aujourd'hui on se retrouve pour le 17e épisode de Mario Luigi Paper Jam Bros. Alors, comme vous pouvez le voir sur la carte, je suis déjà allé là. Parce qu'en fait, je croyais que ça filmait. Puis non, je parlais dans le vide, donc en fait, ça filmait pas. Donc il y avait deux mobs là, c'était les ninjis là. Sinon j'ai rien fait, j'ai juste... Là, il y a un petit bloc, je l'ai... J'ai repris mes cœurs avec ça. Et là, il y avait un petit bloc. Et là, rien du tout. Alors, en fait, voilà, on voit Wiggler derrière. Je vais pas aller le voir parce que ça va sûrement déclencher une cinématique ou un boss. Et en fait, comme je disais, mais que ça filmait pas, il me reste que très peu d'expérience à Luigi et à Paper Mario. Pour atteindre le niveau 18 et je n'ai pas envie de combattre un boss parce que souvent quand on passe d'un niveau à l'autre et bah on combat un boss et bien je n'ai pas envie que en affrontant un boss je gagne que 10 points d'XP, voilà. Donc je préfère atteindre le niveau 17 18 avec Luigi et Paper Mario et puis ensuite affronter le boss. Donc on se retrouve quand j'ai fini d'atteindre le niveau 18. Alors je n'ai pas fini de farmer les bombes, mais j'ai découvert une zone où on n'est pas allé. Hop hop hop. Tout simplement. En fait, c'était la partie où on ne pouvait pas y aller. C'était pour vous montrer. Puis de toute façon, il est bientôt fini. Luigi est niveau 18. Hop. Et Paper Mario va bientôt l'être aussi. Donc là, il y a un petit bloc. Un ou deux monstres, et ça devrait le faire. Faut pas l'utilité. Donc, je vais aller chercher d'autres monstres. Je sais où il y en a. Donc, cette fois-ci, on se retrouve auprès de Wiggler. On dirait que les plantes piranhas sont réapparues. Bon, je vais pas les attaquer. Hein. C'est bon, tout le monde est au niveau 18. C'est super. Mario de papier à toutes ses copies. Et il me reste juste à taper dans ce bloc. Et on est parti pour voir ce qui se passe. Oula, il y a Kamek de papier. Tu es le méchant qui traite la forêt de Wiggler comme une poubelle. Wiggler a passé la journée à tout nettoyer. Wiggler se laisse plus faire. Quoi? Je m'étais appliqué à poser stratégiquement tous ces obstacles, figure-toi. Et toi, tu les détruis. Tu es le type même de l'insecte qui n'existe que pour pourrir la vie des autres. C'est ce que je leur fais de ces insectes. Ça. Oula, oula. Oula. Wiggler. Nya. Nya. Wiggler, reviens-toi. Nya. Wiggler ne vous entend plus. Regarde, Wiggler. Laisse-moi te montrer qui sont les vrais méchants de cette histoire. Les voilà. Oh, wow, 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 wow. Nya. Débarrasse-toi d'eux. Et merde. Voilà. Ok, c'est Wiggler le boss. Oh, il est énorme. Oh là 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 là. Donc, d'accord. On a des masques et voilà. Oh, je le sens pas du tout là. Qu'est-ce qu'on va faire là, dame? Voilà. Avant toute chose, on prépare les cartes. Là, j'ai plus de cartes, j'ai 20 trucs d'étoiles, c'est magnifique. Wiggler, il est où? Oh mon dieu, il y a les 4 parties. Zéro, youpi. C'est bien ma fête. Il me reste quelques masques, mais ça devrait le faire. Regardez, on va redistribuer les cartes. Non, attendez. Oula, j'ai des conneries. Non, merde. Oula, j'ai chaud. C'est un fou, lui. Je sens que je vais en chier. Wow. Qu'est-ce qu'il fait, là? D'accord.
Merde, oh là 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 là. Je perds des copies, oh là 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 là, c'est la merde. Donc voilà, on redistribue les cartes. Et on utilise tout de suite celle qu'on a. Voilà, magnifique, il n'y a plus de mascasse. On va pouvoir s'occuper de Wiggler avec la rapibombe. Ouais, sur tout le monde. Franchement, je m'attendais pas que ça soit Wiggler, quoi. Au pire, Kamek dans un combat singulier, mais là, je m'attendais pas du tout à ça. 88, pff, ça va. Donc, cette carte, on va la garder. Non, forage coquillage sur Wiggler. On va essayer d'attaquer sa tête. Je crois que j'ai bien fait. Ah, pas excellent, dommage. Oula, il est très énervé. Est-ce que je vois cerf-volant trio sur Wiggler. Encore une fois. Regardez sa tête. Pauvre Wiggler. Hop. On y fait plutôt mal. 135. Fou. Donc clairement, on va utiliser les pièces pour la fin du combat. J'attends l'XP, hein. Je vous le cache pas. Décollage fusée. Allez, hop. Franchement, il doit vraiment souffrir, hein. Moi je m'en fous, je vais aller au monde, fais pas chaud. Fais pas chier. Non, non, merde, j'ai attaqué mes amis. Alors, attendez. On va utiliser ça. Les copies parce que j'en ai plus. Enfin, j'en ai. Il me manque 3 quoi. Forage coquillage, encore une fois. Franchement, désolé Wiggler, mais tu me laisses pas le choix. Ouh, excellent. Oula, je crois qu'il est très énervé. Oula, oula. Oh non, j'en ai marre. Chaque fois que je me plante, j'ai... Wow. Tutoriel boomerang défensif. Ouh, ça a l'air cool ça. Déplacer le réticule. Donc le réticule, c'est le machin avec les flèches là. La visée quoi. Déplacer le réticule avec le pas circulaire. Essayer de déplacer le réticule. Ok, ça marche. Donc là, c'est juste un tuto. Hein. Bien. Essayer de viser le ballon. Ok. À présent, lancer le boomerang avec B. Ah oui, Luigi le lance avec B. Autour de Mario, lancez le boomerang avec A. Ok, bravo. Maintenant, si on. Et si. Merde, non, non. Allez, faut le péter, bordel. Oui, yes. Oh, j'adore ça. C'est mieux que l'autre parce que. Je me faisais avoir à chaque fois avec l'autre. Défi boomerang, pas de problème. Un nouveau chapitre. On regardera. On regarde. Ah, blablabla. On regardera ça plus tard. 20%. Non, j'en ai pas besoin. Ouais, un quête trio. Cerf-volant. C'est parti. Hop, Paper Mario. Puis Mario. Allez, 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 c'est bien. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Franchement, on lui fait mal. Je pense que mon farmage était plutôt bien. Waouh. 191. Ouh, là, il a pris cher. Là, il a pris cher. J'ai vraiment bien fait d'XP. Là, il est mort, vous voyez. Oh, franchement, j'ai bien fait. Oula, oula. Donc d'accord, on est contre Kamek. Donc d'accord, le rond c'est moi. Merde, ouais, d'accord. Le triangle c'est Luigi. C'est balèze. Donc si... Donc attaque. Ah mais moi je veux mon XP du coup.
Ah, ça m'énerve un peu. Bon, on va continuer d'attaquer. Hein. À l'avenir, j'essaierai de commencer les combats de boss. Bon, je sais même pas quand il y a des boss maintenant, puisque... Voilà, je sais plus. Pour avoir de l'XP, ah, et merde, il faut surtout... Je sens qu'il va mourir, parce que... Vu les dégâts que je lui fais... Bon, je vais donner un petit champignon à Mario. Et j'ai aussi refait le stock de champignons. Oh, punaise, elle arrive en dernière, quoi. Regardez, 97. Bon, je vais donner du sirop, quoi, parce que... À Mario, voilà. Franchement, je veux vraiment cet XP parce que... Oh, pardon, excusez-moi. C'est vraiment le truc qui... Ah, merde, il va le... 462. Ok. D'accord. En fait, j'aurais dû l'attaquer, ce gros connard. Mais bon, c'est pas grave. Ah non, attendez, il change. C'est un gros trou du cul, quoi. Ouais, je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Ah, oui. Bon, voilà. XP est enfin arrivé. Après, je ne sais combien de temps d'attente. Il est arrivé, enfin. Bon bah on continue d'attaquer hein. Décollage fusée. Franchement il prend cher avec le décollage fusée. Quand j'arrive, parce que sinon. Qui va arriver en premier? Regardez. Déjà 100 dégâts. 145 là. J'ai fait des dégâts. On est vraiment énervé quoi. Oula oula oula. Cette fois, je vais pas rater qu'un mec. C'est bon? Oula, oula. Oh merde. Attendez, il y a encore ce truc que j'ai... Merde, c'est Mario cette fois. Wow, 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 wow. Pff, oh là là. Oh là là. J'aurais vraiment dû l'attaquer l'autre con. Alors. Franchement, j'ai pas besoin de cette carte. Cerf-volant, entre guillemets. Bon, cette fois, on va essayer de faire de notre mieux. Et on va pas rater qu'avec. Allez, allez, allez. 600, c'est bon. Hop, hop, hop. 33 à départ et... 161. Oh la vache. Ça lui fait mal. Je sens que ça lui fait mal. Il est pas mort. Ok, on redistribue les cartes. Yes, voilà. Bon, ça sert plus à grand chose parce que juste 30 PV, mais bon. 10 quand même. Fourrage coquillage hein. J'ai vraiment hâte de trouver Kamek parce que là il commence vraiment à me saouler. Mais je voulais vraiment cette carte XP parce que sans elle je sais pas ce que j'aurais fait quoi. 137. Bon c'est vol. Ouais quand même. Les dégâts que je te fais. Il est pas mort en plus. Bon Kamek t'arrives, là je vais te défoncer. Je vais pas te louper. Mais ça c'est chiant. Attendez. Donc d'accord. En fait, faut comprendre qui... Oh là, c'est chaud. Ta gueule, Kamek. Elle m'énerve, cette carte. Bon, je vais garder la carte one-up, quand même. Oh, je peux plus, quoi. Bon, attendez, je donne le champi à Mario. Oh, encore de l'XP. Moi je le gâche pas. Hein. Je ne le gâche pas. Alors attendez. Ou décollage fusée sur Kamek. Je le sens bien. J'espère ne pas me louper. Alors, attention. Non, voilà, je me suis. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. 108 quand même. Ce n'est pas rien. On va utiliser la pièce aussi. Comme ça, on aura plein de pièces et plein d'XP à la fin du combat. Magnifique. On passera sûrement tout le monde de niveau. J'en sais rien. On verra.
Alors, fourrage coquillage, bien sûr, sur Kamek. Parce que les boules de feu, bah, pff, ça sert à rien. Hein. Allez, génial. Excellent. 141. Franchement, il souffre. Hein. Ouh, yes. Ils sont tous les deux KO. Non, il est pas KO. Oula, il se passe quoi? Je ne peux plus bouger. J'appuie sur le bouton, il se passe rien. Ok, il se barre, on a gagné. Sûrement. Hein. Oui, yes. Oh, je suis dégueu. Je voulais vraiment qu'il... Dommage. Donc, renfleur, d'accord. Donc, oula, on a plein d'autres trucs et ça ressemble à rien. Donc, d'accord. On va voir ce qu'il y a. Donc, homme ressort. Augmente la puissance d'attaque de votre saut de 25%. Donc là, c'est augmente la puissance d'attaque de votre marteau de 25%, tête d'enclume. Après, roi du contre. Augmente la puissance de vos contre-attaques de 100%. Ou corde d'acier. Les dégâts infligés par un ennemi... Réduit les dégâts infligés par un ennemi de 25%. Oula, et champi XP. L'utilisation de champignons augmente l'XP reçu. Évolution rapide assurée. Et du coup, tout ça, là, c'est pas limité à un perso. Je vais donner la moustache, quand même. Je donne la moustache. Parce que c'est le dernier truc, voilà. Et puis, pour le reste, on verra à qui. Je pense que je vais donner l'homme... Oula, l'homme ressort à Luigi. Puis, on verra. Oh. On se reverra. Et puis, je ne sais pas. Wiggler ne sait pas ce qui est arrivé à Wiggler. En ce qui concerne les champignons, j'en utilise pas trop, donc... on verra. Merci d'avoir aidé Wiggler à reprendre les esprits de Wiggler. Et pour toutes les baies... Et pour les gros melons, bien sûr. Il était très bon. C'était le jour le plus délicieux de la vie de Wiggler. Wiggler est très heureux. Et maintenant, Wiggler est très fatigué. Wiggler, tu vas bien? Les amis de Wiggler doivent être fatigués aussi. Non, jamais fatigués, nous. Wiggler va faire la sieste maintenant. Les yeux de Wiggler se ferment tout seul. Oh mon Dieu! Il meurt. Non, Wiggler, reviens. Oh non, Wiggler. Hein? Oula. Il faut pas être triste, hein? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tout le monde doit se réjouir, Wiggler est devenu papillette. Et c'est grâce à toutes les choses issues que Wiggler a mangé. Wow, ça c'est stylé. Je crois qu'il était vraiment mort et tout. Yes. Vous allez au Monfpa Show, n'est-ce pas? Papillette vous emmène, mon... Oh, punaise. C'est pas possible. Je vais le mettre comme ça. Montez sur mon dos. On est parti. Wow. Franchement, vous voyez ce que je vois? Wow, c'est génial, quoi. Un papillon. Bah, une chenille en papillon, forcément, mais... Je m'attendais pas à tout ça. Merci de nous avoir déposé. Si vous voulez quitter le mont Feu Pas Chaud, venez parler à Papillette. Papillette attendra ici. Merveilleux. Les princesses sont quelque part sur cette montagne. Sur cette montagne. Nous devons les trouver et leur venir en aide. Waouh. Pop. Alors, si je m'attendais à ça. Bon, les amis, on va certainement pas s'arrêter ici, hein. On va continuer. On va se balader dans ce. Pas ce village, mais cet endroit. On a un tuyau au nord. On va voir ce qu'il y a, franchement. Marteau d'exception. Je sens que. Mais attendez, ça m'énerve. Moi cette musique, attendez, je vous la mets. Franchement, pas mal. Oula, d'accord, c'est une puce glacée, on peut pas. Si j'arrive là, je peux pas aller à gauche. Voilà. C'est unique. Oula, y a un mob déjà. Ça commence à la merde. Donc si Bowser a une propriété ici, il en a de la chance. Hein. Oh,
Ça, c'est quoi ça? Regardez, c'est en papier et tout. Alors attendez, on peut aller à droite, il y a un tuyau, on va se balader. Hein. Pas affronter les ennemis maintenant. Tout à l'heure. On a le temps de toute façon. D'accord, donc à mon avis, ça va être là qu'on va avoir le... une autre propriété parce qu'il y a ces trucs partout depuis la dernière fois. Je sais pas du tout d'où ça peut venir. Je ne sais pas. Donc, j'imagine du coup qu'on peut pas aller. Ah merde, il y avait une... Zut, il y avait une fissure. On va se balader un petit peu, hein, voir ce qu'il y a. Donc là, il y a une pièce, non? Non, super. Oh, génial, super. Ça va me rembourser ce qui m'a pris, Kamek, en m'affrontant. D'utiliser... Ouais, là, il n'y a rien. Franchement, j'adore. On se perd, il n'y a rien. Bon, d'accord. Donc, on va affronter cette chose. Qu'on trouve dans les mines, d'habitude. C'est bizarre. Donc, ah, ça leur fait mal. Je croyais que non. Alors... Ce sont des bruits insectes. Étrange, je croyais que les bruits insectes étaient... Non, mais ça fait zéro, ben forcément, je vais pas le faire. Ouh, j'ai de la chance. Oh, sérieux. 32. Oula, je... Ok, on va les retourner. Bon, ça aussi, on va retourner. On va tout retourner. On va rapide, bon, hein. J'ai vraiment bien fait d'augmenter le niveau comme ça. Je ferai peut-être d'autres fois ça, comme ça. Ça... Oula. Bon, ça fait rien. Comme ça, ça sera plus simple. Ça sera plus rapide, tout ça. Allez, on le voit bien. Franchement, là, on lui fait super mal. S'il n'est... Ah, il est mort, il est mort. C'est super. Alors, 137 quand même. Ce n'est pas rien. Donc, Ludi passe au niveau suivant. Yes. Rang fleur, du coup. Donc, il reste 3 rangs. Donc, on a fait quand même plus de la moitié. Équipement plus. Alors, ça, c'est rien. Pour en être à la fin, pas maintenant. Donc alors, attendez. Corps d'acier. Oula, réduit les attaques. Bon, clairement, je vais prendre... Enfin, je sais pas. J'ai bien envie de prendre... Je vais prendre ça pour Luigi. Parce que Luigi saute quand même plus haut que les autres, en vrai. Je vais prendre ça. Puis pour Paper Mario, je sais pas. On verra en temps voulu. On va pas se précipiter, hein. On a le temps. Donc là, il y a quoi à droite? Oula, bon déjà ça commence les conneries. Donc, oula, je le sens pas franchement. Bon, c'est pas grave, on y va. Donc il y a encore un tuyau. Oula, franchement, j'ai l'impression qu'il va y avoir un boss, un truc comme ça. Bon, trop tard. Quoi? On va aller se promener un peu le temps. Ah bon? Bah attends, ferme. Ouais, tu mets un bas de jogging par contre? Oui, parce ouais. Que c'est... Oh, le grondement recommence. J'espère qu'il n'y a pas un boss, un truc comme ça. Qu'est-ce que ça peut bien être? On dirait que ça vient du sommet, non? Non, pardon. Ou ce serait pas le Pepper Titan de... Oh! Sommet du Mont Feupacheux. Oulala! Oula! Là là. Feu! Oh mon dieu! Vous voyez ce que je vois? Il y a. Punaise! Il y a. Attendez! Attendez, il y a le roi Bobombe. À côté de lui, il y a Roy. Non, il n'y a pas Roy. Il y a... Je sais plus son nom, mais en tout cas, il y a 3 des 7 terreurs de Bowser. Oh la vache! Incroyable ça! Waouh, qu'est-ce qu'il lance? Du carton? Oh! La vache! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Mon dieu! Il en lance partout.
C'est leur QG de merde. Oh là là. Continue comme ça. Je crois que lui, c'est Larry, non? Ouais, c'est Larry. Feu. Oh la vache. Wow. Oh là là. Il y a des ennemis partout. Oh là là. Ça sent pas bon pour nous. Oh mon dieu. Vous voyez ce que je vois? Oh là. Encore, tiens encore d'autres trucs. Feu. Oula, oula, oula. Eh ben, on l'a échappé belle. Un peu plus, et c'en était fini notre balade. Ce genre de truc ne tombe pas du ciel comme ça. C'était encore un coup de Bowser et de ses sbires, pas de doute. Tout le monde va bien? Tant mieux. Maintenant, le chemin est bloqué. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, ça sent le tuto. Regardez, il y a de la terre et tout. Je le sens bien. Alors. Franchement, on le sent bien. On le sent bien. Oui, voilà, c'est ça. Génial. Génial. On dirait que vous avez une idée derrière la tête. Si vous désirez pratiquer vos mouvements, n'hésitez pas à venir me voir. Mon ta gueule. Utilisez le forage. Génial. Regardez, en bas, on a le forage. Génial. Alors, du coup, bon, c'est toujours pareil. Hein. Ouh, donc, du coup, on peut aller. Génial. Attendez. Non. Waouh, vous pouvez creuser le sol pour passer sous les obstacles. Mais c'est génial, ça. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, c'est des haricots. Yes. C'est génial. On n'est pas obligé de... On peut juste faire comme ça. Regardez, on peut accélérer tout ça. C'est génial. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Et la prochaine fois, on va vraiment utiliser à bon escient nos haricots. Et puis, on va utiliser ce forage trio superbe qu'on a appris. Franchement, j'ai adoré cette cinématique avec le roi Bobon. Waouh, ça me rappelle vraiment le... La porte millénaire de Paper Mario où il y avait tous ces trucs séros là avec les ordinateurs partout là, il faisait un peu science-fiction et tout, et là c'est vraiment ce que j'ai pensé, c'était énorme, en plus avec le roi Bobomb et tout. Génial. Bon bah moi je vous dis vraiment à la prochaine fois, j'espère que vous verrez le prochain épisode, parce que franchement je sens qu'on va vraiment s'amuser. Et n'oubliez pas le petit like et à vous abonner bien évidemment pour suivre les prochaines vidéos. Car ça fait toujours plaisir. Allez, bye tout le monde.